Nous avons la richesse, les diamants, l'or, le coltan et tout ça. Mais la musique, c'est une richesse. La rumba congolaise est un des plus grands héritages de l'histoire de la musique du monde. Nous avons maîtrisé la guitare avec les 10 doigts de façon étonnante. Ça, c'est nous. Ça se trouve dans le sang. Cette musique congolaise a eu la chance de coloniser pendant des décennies et des décennies l'Afrique noire. Je dis, à Harlem, tu avais Armstrong, tu avais Duke Ellington, tu avais Count Basie. C'est la même chose au Congo. Tout le monde rêvait d'aller à Kinshasa. Jimmy Cliff s'est étonné pour dire « Ces Congolais-là sont des vrais sorciers de la guitare. » Cette rumba-là est partie des chants d'esclaves, notamment des chants d'esclaves congolais. Mais une fois arrivée à Cuba, cette musique a rencontré là-bas la musique amérindienne. Papa de Jimi Hendrix a dit à Taboulay que mon fils était un fan fou d'un guitariste de chez vous, du Congo. Et ce guitariste-là, c'est Docteur Nico. C'est le docteur. Oh, Afrika bimana miso ya bato, banguna peba ingina yoye. Kabasele, c'est un grand chanteur. Il peut aller dans n'importe quel pays du monde, chanter n'importe quel répertoire, il sera applaudi. Quand il chante, vous sentez vraiment que c'est ça la chanson, c'est ça la voix. Lorsque Franco entrait dans le bar, les gens s'élevaient, criaient Franco, et dès qu'il prenait la guitare pour jouer, la piste était pleine. Franco chantait, il joue sa guitare, il danse, il danse, il danse. Il connaissait la musique. Oh maman! Franco était un dieu. Hein? Indépendance, tcha-tcha, tous oubliés. Boti Paza, tcha-tcha, Toubakibi. Congo aé, Congo aé. Banabayo, des ballons qui s'y ont. Un peuple qui ne danse pas, c'est un peuple atrophié. Pam, 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 pam.